Eh bien bonjour tout le monde, c'est Demi Coupaille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Spider-Man 2. Calme à l'extérieur. Viens là toi. Quelle est la situation? Fais de beaux rêves. Chasseur, allez voir. Je vais aller là-bas. Voilà. Spider-Man doit être dans le coin. Chasseur, avec moi. Il n'est pas loin. Il en reste combien là? Ok, ça doit être le dernier, j'imagine. Ouais. Vu la scène qu'on vient de se prendre là, oui. C'est cette cheminée, ma porte d'entrée. C'est ce truc là-haut là? En général, les cheminées, c'est pas très ouf, hein. Oh, il referme. Je viens d'avoir MJ. Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors. Super nouvelle. Ouais, je voulais vérifier. T'as bien dit la fonderie style. Ouais. Tu fais quoi là? Mon cardio. Ok, je te laisse faire ta gym. Je dois vite trouver Tombstone avant qu'il finisse comme Scorpion. Le contact avec l'extérieur est perdu. Renforcez la sécurité autour de Tombstone. J'appelle des renforts tout de suite. Des renforts? J'ai intérêt à rester discret. J'ai jamais affronté une bête comme Tombstone. Je préfère affronter Tombstone que Black. De donde vino eso? Y a rien à voir ici. Sûr? Ok, bah... Crève. Comment ça, danger? Ah. C'est quoi ça? Tous avec moi! Et voilà. J'ai trouvé l'araignée au-dessus de nous! Et merde! L'araignée! Empêchez-le de s'approcher! Bah venez! Oh merde! Attention! C'est l'araignée! Les flèches ne manquent jamais! Crève! Ah! C'est fini. Fais dodo. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Oh. Vous ne facilitez jamais la vie. Venom. Harry, qu'est-ce que tu fais chez ici? Oh, je te sauve la mise, Spider-Man. Ouais, il s'est créé un costume. Et de rien, au fait. J'avais l'intention de rester discret. Quoi, c'est ma faute? Tu prends la gauche et moi la droite. Allez, je suis chaud. Je sais que tu m'as dit que ça allait, mais... Sérieux, regarde-nous. Franchement, j'aurais préféré que tu te passes la main sur un truc moins compliqué. Quoi de mieux que de s'entraîner en conditions... La main sur un truc moins compliqué? Ouais, je suis juste un vieux dégueulasse, c'est tout. Je suis jamais sorti aussi fort. Ouais, t'emballe pas trop quand même. On est pas invincible.
Tout le temps comme ça, toi. Ça se résume pas à tabasser les méchants. J'ai dû faire des choix difficiles aussi. Ouais, j'ai fait tuer ma tante. C'est joyeux, hein. Ah ah! Au secours! Attention! Ah, il m'a attiré. Oh merde! Je tire! Wow! Va te faire enculer! D'accord. Oh putain. C'est un lance-flamme ça? Ouais, malheureusement. Je peux pas le ficeler. On va devoir trouver un autre moyen de l'arrêter. Fais gaffe, il y en a aussi sur les plateformes. Je m'en charge. Bouge de la ligne de tir et neutralise les chasseurs. Tu crois que la tenue résiste aux balles? J'ai pas hâte de connaître la réponse. Alors, on fait quoi? Harry, je crois que j'ai une idée pour stopper tout ça. Je suis tout oui. Nao, la queue. Oh putain. Je vais m'occuper. Fonce Nao. Wow. C'était l'éclate. Allez, on a un super vilain à sauver. Ça va tellement pas dans la même phrase, ce qu'il vient de dire. Super vilain repenti. C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois. Il essaie de changer. Oui. Et moi, je veux l'aider. Waouh, t'as vraiment foi en l'humain. Je vais m'occuper d'eux. J'adore ton enthousiasme, mais je préfère la ruse à la force brute. Et merde, il bouffe plus. On gère. Ouais, jusqu'à ce que ça foire. Mais ça, je résume. Je te décevrai pas. T'as l'air de bien encaisser la chaleur. Ouais, t'as raison. Je suis même pas en train de forcer. C'est parti en vrille à une vitesse. C'est toujours comme ça. Viens, mon gros. J'ai un nonos pour toi. Connard de chien de merde. Ça commence à sentir mauvais. Cible verrouillée. Aïe. Attention. Alors, c'était pas ce que je voulais faire, mais... Ramenez-le à terre. Allez, bougez-là. Je peux pas, ils sont trop nombreux. Tiens bon. Je sais même pas comment j'arrive à faire ça. Costume de dingue. Je commence à choper le truc, je crois. Tu devrais donner des cours. Ouais, je vais peut-être récupérer mon poste. Cible accrochée. Oh. Waouh. C'est fini? Eh merde. Attention. Je suis coincé. Ah tiens, j'ai une certaine époque. Rien de cassé. J'ai honte de moi. Arrête. Il faut qu'on se barre. Et vite. Ah bah là oui.
Peut-être que si on bouge pas, il nous verra pas. J'aurais mieux fait de me taire. Ouais, ferme ta gueule la prochaine fois. Il a fait quoi ton costume là? Je sais pas. Le bruit de l'alarme m'a cassé la tête. Heureusement que t'as rien. Des flèches, des machettes, des roquettes et maintenant des robots volants. N'oublie pas les robots chiens. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore? Tu ne veux pas devenir. Rien ne peut m'arrêter. Tu fais de gros progrès. Oula. Oh. Je peux pas me libérer. Arrêtez-le. Tu vas voir. Dégagez la zone. Il y a d'autres lance-roquettes qui arrivent. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Jack, un par un. C'est figé, prof. Descends. Ça devient un peu intense. Il est enfermé où, ton gars? Laisse-moi sortir. Ah bah, il est là. On est pas loin. Bon, où devons-nous aller? Je sais pas si je suis vraiment à ma place. T'es sûr qu'on peut y arriver? Bien sûr. On est les Spider-Potes. Grave. Wouh! On l'a trouvé. Tu proposes quoi? On devrait aller le sauver. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Ils grandissent si vite. C'est si bon. D'accord, cinématique. Je vais vous sortir de là, ok? Non, c'est impossible, ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Bah, au moins, il réussit, hein. Oh non. Mon dieu. Oh putain, de la lave. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici. Je reviens. Ils sont de plus en plus gros. On remet ça tout feu tout flamme. Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Ouais. C'est parti du taf. Quelle ironie. L'araignée, voilà pour ce coup. On est dans la lave, là. Ils sont de plus en plus gros. On remet ça tout feu tout flamme. Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Ça fait partie du taf. Quelle ironie. L'araignée, voilà mon secours. Hé hey, à charge de revanche. Faudrait déjà qu'on en sorte vivant. Il a raison. Mais d'où est-ce qu'ils sortent tous? Ils ont une espèce d'agence de casting. Il faut qu'on éteigne ce fourneau. Voilà. Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre. Genre de l'eau? Dans le doute. Va te faire enculer, toi. Oh putain. Sans The Floor is Lava, en fait. Juste à temps pour arrêter le fourneau. Mais connard!
Il est buggé ce putain de jeu. Bah tu vas crever hein. Mais je suis devant le truc. Je suis devant. Ah putain. Insomniac là, oh. Vous êtes littéralement l'un des meilleurs studios PlayStation et vous faites des bugs de merde comme ça là. Elle a honte quand même. Ça te va si on crève? Mais j'ai pas le droit. Genre là je dois crever. Bon bah je vais me suicider pour voir. Tiens d'ailleurs est-ce qu'il va se... Ouais. C'était logique. Bah... Pas le choix. Ça me casse les couilles quoi. On remet ça tout feu tout flamme. Tu trouves que c'est le moment de faire des blagues? Ça fait partie du taf. Quelle ironie. L'araignée vole à mon secours. Hé hey, à charge de revanche. On a déjà qu'on en sort vivant. Où est-ce qu'ils sortent tous? Ils ont une espèce d'agence de casting. Il faut qu'on éteigne ce fourneau. Voilà. Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre. Ils sont partis. Juste à temps pour arrêter le fourneau. Voilà. Putain de jeu buggy de merde. Ouais, ça devrait. Vous cherchez à tuer tout le monde ou quoi? C'était pas prévu, désolé. Il s'arrête jamais. Ça tombe bien, nous non plus. Commence à faire chaud là. J'avais pas remarqué. Je crois que la tenue résiste au feu. T'en as de la chance. On se les fait. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'appelais plus vite. Ça, je sais faire. On doit libérer Tombstone. Il faut fragiliser la cage. Par là. Retire les supports. Tu vas me traiter de fou. Mais c'est une des plus belles journées de ma vie. Bah tu devrais sortir plus souvent. Attention grenade. Il y en a plus que deux. Ah. C'est fait en quoi ce machin? Je sais pas, mais le bâtiment est en train de s'effondrer. Essaie encore. Ça marche pas. Accroche-toi. Il faut qu'on vire les supports. Mon dieu. Attention, ça va bientôt s'écrouler. Impossible d'ouvrir la cage. Peut-être en passant par le fourneau. Non, il fait trop chaud là-dedans. Quoi, t'as une meilleure idée? C'est dur de choisir, hein. Qu'est-ce que tu fais? Allez, arrive. Maintenant. Ouais, c'était sûr. Ce boulot est toujours aussi stressant. Le yoga a fait des merveilles pour mon mental. Vous voulez mourir ici? On y va. Non, 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 non. On l'a perdu. Panique pas. Dans là, vite. Harry. Wow. Il faut qu'on se dépêche. Oh putain. Par contre, comment ils ont fait pour être beaucoup plus rapides que moi? Ah!
Attendez. Tu vas voir si on a été suivi. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Oh, et puis, ça se voit. Ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller? Ouais. Et s'ils me retrouvent, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. Oh, c'est beau, putain. Ah non, c'est beau. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Oh non. Hé, t'as assuré tout à l'heure. Ah ouais? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Oh, les vibrations de fou. Désolé. Je sais pas encore trop m'en servir. C'est sympa? Comment ça? C'est toi qui a... Oh. Ah, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Ouh. Si tu n'es pas avec ton mentor, oh, j'aurai besoin de toi au bureau. J'espère que c'est pas encore juste pour un mille pattes. Faut que je fasse le point avec Pete. Salut Miles. Salut. Alors, quoi de neuf? Tu veux un speeder coup de main? En fait, ça va. On a réussi à sauver Tombstone avant que Kraven ne lui tombe dessus. Hein? Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais, mon copain Harry, il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en face. Il va nous être sacrément utile contre les chasseurs, ouais. Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais on en parlera plus tard. Faut que je file. À plus tard, à plus tard. Oh, il dit ça tout le temps. Ok. Je vais aller voir ce qui se passe avec moi. Ah, Mysterium découvert. Bah non. C'est un endroit bien pratique pour se changer. Ah ça. C'est même parfait. Coucou maman. Ça va beaucoup aider la communauté. Merci pour votre soutien. D'accord. C'était pas lui qui devait être la mère Oh, Miles. Salut, moi. Viens, assieds-toi. Je voulais prendre des nouvelles. Je m'inquiète pour toi. Tout va bien? Elle a littéralement dit tout va bien en français, là, hein. Je te jure. Ok. C'est de la folie en ce moment. Je sais plus où donner de la tête. Entre la ville, mon essai pour la fac, et puis y'a Pete, qui est occupé avec d'autres trucs. Ellie... Il est toujours dans la nature. Non. Ça t'inquiète pas, toi? Si, bien sûr. Ça m'inquiète. Elle s'en fout. Mais... Je me suis engagée à agir pour cette communauté. Je dois mettre de côté les choses qui ne servent pas ce but, et me concentrer sur mes objectifs, plutôt que sur le passé. ¿Entiendes lo que te digo? Ouais. Mais Lee... C'est quand même le fils de pute qui a tué papa. Oh, une vibration. Ah ouais, carrément, il vibre à ce point. Angela, il va falloir que je vous rappelle plus tard. Enfermé dehors, mais vous avez une clé. Ah. Non, non, je comprends, c'est une urgence. Je vais passer quelques coups de fil. Ok. Non,
Je peux y aller. Tu ne viens pas de me dire que tu étais débordé ? Oh, si, mais... on s'en fout. J'ai toujours du temps pour ma communauté. Ok, maman. Où je dois aller ? Maman. Au centre culturel de Harlem, sur la 116e et Convent. J'ai eu mon amie Angela au téléphone, la conservatrice. Elle voulait offrir une visite privée à un donateur potentiel, mais le système de sécurité l'a enfermée dehors. Oups ! Le malaise ! Angela a trouvé des objets pour une nouvelle expo musicale, mais les subventions n'ont pas suivi. Et si le donateur ne couvre pas les dépenses, le musée risque de fermer. Je vais m'assurer qu'il rentre. Bon, bah, on va faire ça, et puis après, on va s'arrêter là, je pense. Vous savez que j'ai à cœur de préserver l'héritage musical de cette communauté. Mais vous voudriez que je fasse un don pour un musée qui n'a même pas de système de sécurité ? Darren, j'entends vos craintes. Néanmoins, je vous assure que ce musée sera... Spider-Man ? Oh, Dieu merci. Le système refuse de nous laisser entrer, et il ne réagit à aucune commande. Allons voir si je trouve d'où vient le problème. Je dois trouver le panneau de commande. Bah... dans le doute. Vieux camion, peinture délavée. Rien d'inhabituel pour un musée. Oui. J'aime trop faire ça. Ah. Génial, c'est le panneau de commande. Les relais sont surchargés. Je dois regarder dans les murs pour régler ça. Allez, Spider-Bot. On va réparer ça, qu'Angela puisse faire sa visite. C'est qui ce type ? T'es sûr que l'alarme va pas sonner ? L'IEM a fait sauter tout le système. Personne d'autre que nous. On a qu'à briser ce cadenas pour entrer. Ah, c'est pour ça qu'Angela est coincée dehors. Vaudrait mieux relancer le système si je veux entrer et arrêter ce type. J'ai vu pire. Je vais réparer ça vite fait. Ça y est. Mais le système est toujours HS. Je dois trouver les autres boîtiers de relais. Mon Dieu. Hey, Miles. J'ai vérifié auprès de tous les refuges Fist. Personne n'a vu Martin Lee. Merci. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé filer alors que j'aurais pu... Ouais, enfin là, t'avais pas le choix. M'assurer qu'il ne fasse plus de mal à personne. Il voulait le buter. Bon, t'inquiète, je continue de chercher. Continue de suivre le câblage. Il doit y avoir des trucs précieux là-dedans. On a affaire à des proies. Je suis tellement content de spammer de faire un bruit dégueulasse. Allez, on va réactiver tout ça. Super. Mais ça marche toujours pas. Il doit y avoir d'autres relais. Le saxo et la batterie ont déjà été chargés, hein ? Ouais, mais on a le temps. Et il y a encore plein de place dans les camions. Je dois contourner ces types sans me faire repérer. Et pourquoi pas une diversion en do majeur ? Hé, c'est quoi ça ? Tire dessus ! Un peu dangereux là de le laisser brûler ici. Super. Mais ça marche toujours pas. Il doit y avoir d'autres relais. Le saxo et la batterie ont déjà été chargés, hein ? Ouais, mais on a le temps. Et il y a encore plein de place dans les camions. Je dois contourner ces types sans me faire repérer. Et pourquoi pas une diversion en do majeur ? Hé, c'est quoi ça ? Tire dessus ! Non ! Ne tirez pas dessus, s'il vous plaît. Je suis mort. Le truc que je me dis, c'est que j'aurais imaginé que ça aurait été une vraie araignée. Ils auraient vraiment réagi comme ça, c'est trop du cul. Le
Saxo et la batterie ont déjà été chargés, hein? Ouais, mais on a le temps. Déjà, je trouve ça. Je dois contourner ces types sans me faire repérer. Et pourquoi pas une diversion au dos majeur? C'était quoi? Je dois tout faire pour rester hors de vue jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe par ici? Putain, c'était stressant. Garde ton sang-froid. Me fais pas un de tes vieux coups foireux. Tu peux y arriver. J'envoie une autre au-dessus de ce type. C'est qui? Hé, Doug! J'espère que c'est toi. Ok, ouais, putain, c'était stressant. J'ai eu un petit pépin, mais maintenant ça va. Tant que tu y es, va voir quelques instruments. Ça te préparera pour tes études. Non. Mon truc, c'est la musique de geek. Les orques, c'est mes instruments. La musique, ça commence par un être humain. Son instrument et son âme. Quand tu mixes et quand tu sens... Elle dit les termes, la daronne. Cette âme. Les ordis ne savent pas faire ça. Tu sais que plus personne parle comme ça? Tu veux dire comme une grande sage? Ça te fait plaisir. Ok. Le signal est plus fort maintenant. Il doit me rester un dernier relais à réactiver. Oh, c'est pas vrai. Je vais devoir aller à l'autre bout de la salle. Il nous reste du temps. Qui a fait ça? Ah. Dans des trucs. Ok, je dois rétablir ce dernier relais, puis retourner à la baie de chargement. Je vais m'assurer que ces types ne piquent aucun objet. Repli, on se tire. Bien joué, Spider-Bot. Allez, casse-toi. Araignée robot. Oh mon dieu. Ça y est, la porte est ouverte. Mais apparemment, plusieurs objets ont disparu. Ouais. Bienvenue à la baie de chargement. Et je veillerai à ce que rien ne bouge. Vite, on doit se barrer de là. Et allez, allez. Je crois que ça dit que ce serait une mission pépère, mais on se retrouve avec Spider-Man. On s'en tape. Fume-le. Dites à vos chefs que mon quartier se laissera pas faire. Tu gagneras pas cette fois. On se retrouve au point de rendez-vous dans une heure. Pas aujourd'hui. Oh. L'ultime de Miles.
La méga décharge bioélectrique est une frappe puissante. Vous pouvez la déclencher lorsque votre barre de méga décharge bioélectrique est pleine. Il faut que j'arrête ces camions. Je vais devoir en choisir un. Bah celui d'en face, hein, il est puissant. Laissez tomber, vous vous en tirerez pas. Les connards continuent à foncer. Ouh. Lance-lui un truc, n'importe quoi. Va jouer, Alex. Ouh. C'est étonnant qu'on n'a pas un QTE à faire. Venky Dremer. Il s'est créé un sac à dos. On a retrouvé le contenu d'un seul camion. Quelle pagaille. Désolé, Angela. Le fait qu'on voit son prénom à ce mec-là, ça me fait dire quand même qu'il est assez important, ce personnage-là. Ça se peut que c'est un méchant, mais bon. Je crois que nous venons de perdre notre plus gros donateur. Il y a toujours le gala caritatif, non? Si on retrouve pas ce deuxième camion, il y aura pas d'expo. Et sans expo, pas de gala. Et sans gala... Pas d'argent. Le musée devra fermer. Ah merde. Ça n'arrivera pas. Je vous le promets. Tenez. Oh, c'était celui de Clyde Stubblefield. C'est qui ce connard? Qu'on surnommait Funky Drummer. Vous avez une idée du nombre de fois où il a été samplé? Je sais pas. C'était un musicien très respecté, à mi-chemin entre funk et hip-hop. Quoi? Merci. Et il demande à quoi ça ressemble comme style. Je vais trouver musique. Le reste des pièces. Merci. Quête secondaire, du coup, hein. Ouais. Faut que je fasse le point avec Pete. Et on va contrôler Peter, j'imagine. Oh putain, c'est classe. On nous fait voyager dans tout New York. Waouh. Ah oui, putain, il est loin, hein. Carrément, il est à l'autre bout. Ouais, terminer toutes les missions du musée de la culture pour débloquer une tenue personnalisée. C'est Harry qui m'appelle. Il faut que je réponde. On se rappelle ? Oh, ok, pas de soucis. A plus. Ouais, Pete. Oh, le pauvre. Aucun signe du docteur Connors, mais je t'avoue qu'un peu d'aide serait pas de trop. Je suis en route. T'as eu des nouvelles d'MJ? T'as dit qu'elle devait passer chez lui, non? Pas encore. Elle a dit qu'elle m'appellerait quand elle y serait. Espérons qu'il ait juste la grippe? Ouais, faut espérer. Faut prier, je vais là. Voir dans nos bureaux. Viens dès que tu peux. Bon, alors... C'est un petit jeune homme? Parker! Posez-moi! Ah oui, un Spider-Bot JJJ. Oh! Bien, bien. C'est la fille de mon meilleur ami qui a peint ça. Je me rappelle qu'elle m'avait montré l'esquisse avant de réaliser la fresque. New York n'est rien sans ses habitants. Ouais, comme toutes les villes, connard. Attendez, on a un petit truc là. Oui!
Voilà, on récupère ça et c'est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et puis, bah, au revoir tout le monde. Bouhou.